a une infirmerie, donc c'est ce petit bâtiment qui est ici, une quarantaine de mètres carrés. Une infirmerie dans laquelle nous avons... Le samedi 16 mars, dans la maison du parc d'Ille, a eu lieu une conférence au sujet du centre de sauvegarde, une des vocations principales du parc, la préservation des espèces locales. Mine de rien, les populations d'animaux, on va parler des oiseaux, mais les mammifères, les reptiles, les insectes, c'est pareil. L'homme va empiéter un petit peu sur leur territoire et on va prendre la place. Du coup, cet animal qui va être blessé, soit il reste tout seul et l'issue sera en général fatale, soit nous on le prend en charge et ce qui permettra de lui donner une chance. Après, forcément, tous les oiseaux ne sont pas relâchables. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on fait du mieux qu'on peut pour aider la faune sauvage locale. Une conférence permettant également de donner les instructions pour la prise en charge des oiseaux. La première chose, ça va être de savoir si l'oiseau est en danger ou non. S'il est en danger, il va falloir alerter la maison du parc, ici sur Saint-Quentin, donc c'est le 03 23 05 06 50. L'agent d'accueil vous répondra ou transmettra l'appel à nos services civiques. On déterminera si l'oiseau a vraiment besoin de soins. Et dans ce cas-là, il faudra ramener l'oiseau au niveau de la maison du parc. Et puis, il sera pris en charge par nos soigneurs. La principale limite qu'on va avoir, c'est avec les problématiques de grippe aviaire. Donc on ne va pas prendre tout ce qui est canard et cygne. On ne va pas prendre en charge tout ce qui est goéland et mouette. Parce que ce sont des animaux qui sont soit porteurs sains, soit fortement touchés justement par la grippe aviaire et ça risquerait d'amener une épidémie au sein du centre de sauvegarde. Donc tout ça, on va pas prendre en charge. L'autre chose, ça va être les pigeons de ville qu'on ne prend pas non plus. Ils sont considérés comme domestiques aux yeux de la loi. Donc on les prend pas, on n'a pas les autorisations pour. Et après, dans les limites, de toute façon, tout animal en danger et en détresse peut être pris en charge chez nous. Si on trouve un oiseau, ouais, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler pour avoir des informations, savoir s'il est vraiment en danger. Dans ce cas-là, rappelez la maison du parc d'Ille au 03 23 05 06 50. On vous dira s'il est vraiment en danger et s'il faut le ramener au centre. Pour le moment, le centre est fermé, mais on espère avoir une réouverture très très rapidement. En 2023, le centre de sauvegarde, c'est 328 oiseaux pris en charge de 45 espèces différentes. 103 ont été soignés et relâchés.